Eh bien, salut tout le monde, c'est Mind76. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la 1.7.2, la présentation de la 1.7.2. Oui, il y a les mobs, je vais les virer. Voilà, tac, ça c'est fait. Donc, nous allons voir au fil de la vidéo. Donc, c'est oui la présentation de la 1.7.2. Donc voilà. Oui, d'abord on va commencer par les options. Options. Donc il y a ça qui a été rajouté. Musique et sound. Musique, voilà. Je vais mettre voilà. Le son. Ça. Ça qui a été aussi ajouté. Les blocs. Friendly créatures. Ambiant. Voilà. Tous ces sons là qui ont été rajoutés. Enfin, disons, maintenant on peut les régler. Et ça, c'est une bonne chose, vraiment. Au niveau des vidéos settings, on a ça qui a été ajouté. Plus ça, tout simplement. Donc voilà. Je vais pas dire, c'est pas énorme, mais bon. On a ça qui a été ajouté. Je vais essayer de trouver un son encore plus fort. Voilà, ça ira. Donc, voilà, parfait. Parfait, parfait. Donc voilà, ces options-là qui a été ajoutées. Nickel, nickel. Donc. Donc ça y est, un panneau. Voilà, je vais l'éclater tout de suite. Donc, concernant les nouveautés. Pour le Nether, il faut dire que je me mets en game mode 0. Je vais mettre du feu. Et pan! Je fais comme si j'étais dans le Nether. Et là, hop! Je vais. Voilà, je vais. Il va y rentrer. Ah, par contre, c'est un peu. C'est un peu chiant. Voilà. Et là, vous voyez, il a consommé de l'eau. Mais il a consommé de l'eau. En fait, ça va être le seul moyen. Ça va être le seul moyen de sauver du Nether. Parce qu'en fait, le Nether, si vous brûlez, vous avez juste à aller sur le dans le chaudron. Et comme il y a de l'eau, bah baf, ça va vous sauver. Donc voilà, une petite nouveauté. Fort pas mal. Au niveau des poissons, on a le poisson clown. On a le poisson fougou. Il empoisonne et il donne la nausée 4. Donc, à manier avec précaution. Malheureusement, on peut pas la précaution. Mais bon, voilà. C'est un poisson soleil. Hein. Le saumon, du saumon cru. Voilà. Appât 3. Appât 3. C'est pour avoir plus de. Pour pêcher plus de choses dans les rivières, tout ça. Chance de la mer 3, là c'est pour pêcher plus de poissons, hein. Pour avoir une grosse, énorme chance de pêcher des poissons. Donc là, au niveau de là, ici on a potion d'eau. Alors maintenant on a des potions d'eau. Si je fais ça, voilà, vous aurez des petites particules. Water breathing, donc c'est respiration sous l'eau. Ça donne la respiration sous l'eau, tout simplement. Donc voilà. Donc pour les constructions et en mode survie, ça peut être pas mal si on veut faire des choses sous l'eau. Il y a juste à se mettre une potion et puis voilà. Tout simplement. Je vais baisser. Je vais enlever. Hop, la musique. Parce que c'est. Voilà, c'est mieux. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Oui, ici. Non, on va rien mettre. Alors, ça, c'est du sable rouge. Le sable rouge qu'on peut trouver dans le biome Mesa. Donc, le fameux biome que je n'ai pas trouvé. Donc, voilà. Donc, je peux pas vous le faire voir. Dommage, dommage. Le biome Packed Ice. Donc, c'est avec des. Je vous fais un petit.
un petit récapitulatif, vite fait. En fait, c'est un biome avec plein de glace et des statues de glace, voilà quoi. Voilà. C'est un biome packed ice. Et on trouve tout simplement ce bloc-là, qui est la glace compactée. Donc c'est la glace, vraiment, vraiment la glace qui ne fond pas. Donc là, vous voyez, vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez mettre, oui, dessus. Eh bien, voilà. Vous pouvez voir que elles ne fond pas. Ici, on a du bois plus foncé, marron foncé, qui s'appelle le bois de chêne, mais foncé. Entre parenthèses, c'est le bois dark. Le roufed, on va dire. Ici, ça, c'est du bois d'acacia qu'on trouve dans les savanes. Uniquement dans les savanes. Donc, voilà. Ici, c'est quoi? C'est de la puzzle. Ouais, c'est, je ne me rappelais plus. Donc, c'est de la terre où vous pourrez trouver de la mudstone dessus. Donc, voilà. Toujours intéressant de... pour la décoration. La mudstone. Ici, on a du vert coloré. Donc, du vert transparent. Coloré transparent. Je vais chercher. Alors, attendez. On va prendre ça, c'est pas grave. Donc, ça, c'est du vert plat. Et on peut tout simplement. Voilà. Si lui, il veut bien. Voilà. Et en fait, on voyait des facettes. C'est ce qu'il y a le. Mais maintenant c'est plus le cas. Parce que en fait, voilà, ils ont changé un peu la texture du vert coloré. Il est un peu plus jaune et un peu plus bleu. Voilà. Voilà. Maintenant, on a. Bah ça c'est le bois d'acacia. Qui est de cette couleur-là. Ça c'est le bois dark, tout simplement. Et maintenant, on a des nouvelles spécialités, pardon, de fleurs. Donc ça, c'est du lilas. Ça, c'est du une fleur pissenlit. Ici, c'est un coquelicot. Ici, un orchidée bleue. On trouve dans les marais, tout simplement. Si vous faites, par exemple, là, je suis sur un, je suis pas dans un biome, mais dans une map plate. Puisque c'est plus facile à vous expliquer. Ah oui, je suis bête. Tac, si vous faites ça, voilà. Vous avez une fleur différente. Et vous avez. Ah voilà. Des. Voilà, vous avez des fleurs différentes, tout simplement. Ici, on a une allium. Une allium. Ici, on a une houstonie bleue. Donc, tenez-vous bien. Ici, on reconnaît le fameux tournesol, tout simplement. Puisqu'il pointe vers le soleil. Autrement dit. C'est assez bizarre, mais il pointe vers le soleil. Bon, pourquoi pas, je dirais. Des tulipes. Donc ça, c'est des tulipes. Ici, ça, c'est un rosier. Ça, c'est une pivoine. Ça, c'est une grande fougère. Non, non, je veux dire des autres herbes. Ah, c'est mieux. Des autres herbes. Comme... voilà. Et donc on peut se cacher et des fois il y a des mobs qui ne nous voient pas. Bon, c'est assez pratique. J'en avais entendu parler apparemment. Il disait que les zombies pouvaient pas nous voir. Apparemment, ouais. Les zombies pourraient pas nous voir apparemment. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Testez vous et vous me direz dans les commentaires. Ici, la voilà la grosse fougère. Tout simplement. Et ici on a comment ça s'appelle une pousse d'acacia. Et si vous les mettez par quatre là, le roufed là, et bien en fait ça vous fait pousser. Ah je vois rien du, on voit rien du tout. On va mettre, voilà, on va mettre des torches. On va baliser l'arbre de torches tout simplement. Donc voilà, ça vous fait pousser cet arbre là, mais pas joli. Je trouve qu'il est moche. Gardez-le cette arme.
Et ça, c'est un arbre qu'on trouve dans le biome savane. Le biome savane roi lion. Donc voilà. Et au niveau des blocs, les barres de la barre de barre de fer, les barreaux de fer, pardon, peuvent se connecter avec les blocs. Donc ça, c'est nouveau. Bah voilà, j'ai pas trop de choses à vous dire. Simplement qu'il y aura plein de vidéos, des vidéos à venir. Voilà. Donc voilà. Je vais essayer quelque chose. Si j'y arrive, c'est vraiment trop fort. J'espère que je vais pas me fail au niveau de la commande. Merde. Merde, merde, merde. Je me suis fail, évidemment. Alors, attendez. Slash give. Tac. En fait, je vais vous montrer ce que je veux faire, tout simplement. Oui, c'est ça. Hein. Et... Ah bah non. Ah bah non. That player cannot be. Ah, mais je suis bête. Bah oui. Tac, tac, tac. Ah oui, j'ai mis Mine 76. Non, c'est pas ça. C'est ça. Tac. Voilà, ça marche. Hop. Bon, bah d'accord, fail. Ah, je me rappelle plus le bloc. Je voulais un bloc de commande et puis tant pis. Bon, voilà. Ceci était un fail. Et oui. Bon, en espérant que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et un commentaire, ça fera toujours plaisir. Et bon, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.